J'ai fait moins de fautes quand même ici. Hein. Non, t'inquiète pas, regarde. Si tu filmes là, je suis dos, vas-y, tu mets une plaque. Là, tu tapes là. Là ? Ouais. Comme ça ? Ah, ok, ouais. Oh. Ah, là, là. Bon, t'es prête ? Oh. Fais les cons, fais les cons. Non, non. Ready. Attends. Non. Ouais, voilà, ça est bien. Par contre, comme je te l'ai dit, il est open your hands. Right there. Go. Right there. Je sens qu'on va battre ton record, là. Je suis pas sûre. Comment il se la pète là-bas là ? Non mais. Je crois en toi. Moi je crois en toi. Allez, let's go. Je te tipse le premier. Ouais, t'es prêt ? C'est à droite. Et... Top. 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 De côté, top. 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 Un peu plus vite, top. 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 Allez, vas-y. Allez, va chercher le truc. Imagine que tu le frappes. Ça marche pas, t'es trop loin. T'as fait mieux que moi. Ouais, je suis un peu.
Non, si, si. On dirait un personnage de jeu vidéo, il bougeait, tu sais. Mais ouais, non, mais. C'est parce que toi, c'est mal. Let's go. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Ah, voilà, t'es trop chaud. Et alors Top. Au niveau du. Ah, juste avant. Moi aussi, je sais pas. Romain, ça va, t'as pas besoin que des croix. J'aime bien la droite. J'attends la droite. Je vous vois, vous savez. Moi, en fait, je pensais qu'il fallait avoir les mains en bas, comme le cœur. Comme si on voulait choper. Moi je pensais qu'il fallait attendre sur la ligne sur ta voix. Moi aussi, c'est pour ça que je mettais les mains en bas en fait. Salut. Tiens, mais des bruits au niveau du bruit. Allez. T'as décidé d'en faire. C'est bon, t'as battu tous les deux. Nul. Encore, ouais, top. Encore, ouais, vas-y, continue. Ouais. Bien. Encore. Continue comme ça, continue. Mais oui, mais j'arrive pas. C'est à toi maintenant. Bah, allez-y. Top. 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 Vers la droite, top. Ça va s'accélérer. Top. À droite, gauche, ouais. Droite, ouais. Une fois, le point, ça suffit. Non, mais t'es pas assez fort, je pense, c'est pour ça. Top. Ouais, allez. Pam. Pam. Allez, vas-y, le rythme. Bon, bah, t'as battu aussi. Ouais. Non, très bien. Vas-y, t'as fait encore. Vas-y, continue. Allez, très bien. Vas-y, tu vas avoir le meilleur score. Vas-y, encore. Allez, les 50, on y va. Ouais. Allez, les 60. Allez. Hop. Droite. Tu te perds pas. Continue. Bien. Bravo. C'est le meilleur du groupe. Et il recommence. Oh, le tricheur, il recommence. Avec sa charme. Il a fait un sans faute là ou... Ah, il a fait des fautes au début. J'ai pas compté là. Ah, bien sûr. Allez, on fait comme un. Oh, d'accord. Maintenant, je vais faire.
Je pense que t'as non ouais, alors vraiment si je te donne le petit ça, pas moi, c'est pas un type non, c'est vraiment ouais, voilà. Ouais. Ah bah ben, écoute quand même, si ça me fait plaisir en tout cas. Nous avons apporté plein de choses pour vous parce que alors du coup on va vous expliquer, il va y avoir trois phases de quiz, donc des questions qui nous ont été envoyées par Pika sur les mangas exclusivement Pika pardon, un peu hardcore donc accrochez-vous quand même, et entre chaque salve de quiz qu'on fera vous pourrez en fait poser vos questions, celles que vous souhaitez sur vos séries Pika préférées du coup à Marie Manon qui sont ici présentes pour vous jusqu'à 18h. Voilà, donc on peut encore les applaudir et les remercier. Oui, alors on va procéder au quiz. Alors il y a vu que pour des raisons indépendantes de notre volonté, je n'ai pas de micro, donc je vais devoir hurler ou parler comme ça si tout le monde m'entend. Si c'est un oui, dites oui. Oui. Super. Donc je vais poser les questions. Pour répondre, surtout, vous ne hurlez pas à la réponse, vous levez la main et on choisira l'un d'entre vous. Et à savoir, il y aura 10 questions par salve, dont 2 qui sont bien bien chaudes, donc du coup ce sera des lot un peu plus conséquent qui seront offerts à ceux qui répondront à ces questions un peu plus complexes. Voilà. Et bien on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok. Alors, est-ce que je sais que le manga est une question? De toute façon, c'est une question. Alors, et ben on commence par la question. Alors, à quelle équipe Izagi appartient-il au commencement du Blue Lock? Le nom de l'équipe. Ça commence. J'ai pas lu. J'ai lu, mais c'était la sortie, donc quoi, c'était il y a un an, quoi. Là-bas, il y a de mal là-bas. Non. Non, non. J'en ai plein d'autres, donc je peux la switcher. Alors, la question, c'est dans Blue Lock, Izagi appartient à une équipe au début de l'aventure. C'est quoi le nom de l'équipe? Et c'était l'équipe Z. Ah oui, par l'aide, oui, bien sûr. Oh mon dieu, oui, la honte. Oh la honte. Bon, peut-être plus simple, alors la prochaine. Dans quelle série Shiki est-il le héros de l'histoire? Yes. J'aime pas Eden Zero. J'aime pas Eden Zero. Alors, on va voir si je prononce bien le nom de la série dans The Quintessential Quintuplets. Bravo, c'est mieux. Comment c'est? Quelle est la date de naissance des 5 Ok. Ouais, bien joué. Ouais. Ah, la tête en plus. Alors dans Taï et Mamisu. Soué. Mamisoué. Mamisoué. Ouais, s'il te plaît. Bien sûr. Quel âge a Mamisoué dans le manga Taï Mamisoué des éditions Nomi Nobi? L'âge. Alors là j'ai des propositions. Ah, s'il te plaît, ouais. Donc 15 ans, 13 ans, 17 ans ou 10 ans. 17 ans. Je l'avais en plus. Donc quatrième question. On va passer à une question un peu plus complexe pour l'atelier des sorciers. Alors, dans le tome 5. Ouais, une ancienne habitante du nom de Romone pose une devinette à Tetia. La devinette est la suivante. De quoi regorge la surface et que chacun recherche, mais dont nul ici-bas ne jouit car on nous l'a ravi. Ah, je sais plus, je l'ai lu. Mais je sais plus. Oui. Bien joué. Wow. Bien joué. J'ai lu. Je connais pas.
connais pas du tout toutes les questions que j'ai posées. Si, moi j'avais la réponse pour tailler Mamie Soué. Quoi. Alors j'ai posé, excusez-moi, d'après nos chers amis des éditions Piquet, des questions difficiles. Alors là c'était une question difficile, apparemment c'était une one shot. Dans To Your Eternity, quel est le deuxième état du personnage de Im? Deuxième état. Oui, Non. Là. Ouais. C'est pas un oiseau. Non. C'est un peu. Mais parce que c'est pas un animal. Quand il est en boule enfin... Pas assez précis. Désolé. C'est bien, c'est là. C'est pas une sorte de griffon. C'est pas un animal. Excusez-moi. Ouais, c'est un caillou, hein. Ouais. Bon, normal. Avoir la capacité de se transformer en caillou. C'est... On est à la moitié du quiz, attention. C'est une question difficile que je puisse y répondre, tu vois. Genre difficile, mais que je... Dans quelle série le personnage principal masculin n'est-il pas un bon élève? Bon cancre, quoi. Dans Love is War, Couple of Cocks, Cocos... Olenia ou Quintessentielle qui est stupide. Olenia. Ouais. En plus, je la connaissais la réponse. Parce que j'ai tous. Mais j'avais pas compris. La question était trop mal tournée. J'ai pas compris. La question était mal tournée, je oui, confirme. Si j'ai eu du mal. En plus, j'ai une dyslexie et les questions, genre quand elles sont mal tournées, j'ai galéré. T'inquiète, j'avais compris dans l'autre sens, moi. Ouais. J'étais pas sûre. Dans Fairy Tail, très peu connu. Quelle est la couleur de Carla, le chat de Wendy? Non, c'est blanc. Ouais, c'est pas blanc? Non, c'est blanc et rose. Rose. Ouais. Ouais. Okay, là. Moi, je sais pas, ça fait longtemps que je pas vu. Ouais. On a la 7e. Non, plus que... quel est le nom de famille d'Annie dans L'Attaque des Titans? Oh purée. Ouais, c'est ça. Je l'avais, c'est ça le pire. Mais lève la main. Non, mais j'étais pas sûre. Pour le deuxième gros lot, une autre question bien chaude. Attention, dans la série originelle de Cardcaptor Sakura, combien existe-t-il au total de cartes de Klo? T'as des chiffres ou faut le... Et non. Mais sinon c'est 51. Non. Ah ben... T'as 53. Ah oui. Oui. Non. 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 T'as fait tous les chiffres. Ils font douter. Non. Non. T'as la réponse. Il y a deux chiffres. Bah non, ils m'ont fait bugger. Non. 49. Non plus. 62. Encore moins. Allez. Non. Hein? Non. Non plus. Je vous avoue, on va s'arrêter parce qu'en fait, la réponse a déjà été donnée. C'était 53. Mais t'as dit 51, 52 avant. Ah ben du coup je l'avais. Mais comment il a réagi, je me suis dit ben non, c'est mort. Alors, bon, on va en mettre une autre dure. Enfin dure, tu te poses. C'était 53. Je savais ça. Il faut pas regarder les films. Ok, alors, bon, dans Toilet Bound, Anna Kokoum. Ok, c'est bon. Très bien. À quel étage se trouvent les toilettes hantées par le 7e esprit de l'école? Il y avait des propositions, mais moi, apparemment, non. Alors, déjà, répondez. Oui. Ouais. C'était un peu compliqué. Et il reste encore deux questions. Ne vous en faites pas, il y aura deux autres quiz par la suite dans l'après-midi. Alors, celle-ci, on la garde pour la fin. Parce pas... Bon, il en reste qu'une. J'ai dit n'importe quoi. Il en reste qu'une. Dans le manga de Boichi intitulé Origin. Oh oui. Alors le personnage principal c'est quoi? C'est pas qui, c'est quoi? C'est un moitié robot, moitié humain. Il a des mécaniques à la place des bras. Oui, c'est un androïde. C'est bon.
Alors voilà pour la première salve, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Alors, c'était un peu chaud quand même, mais pour ceux qui n'ont rien remporté et qui ne peuvent peut-être pas rester maintenant, il y a un peu de personnes de Tichy, Marie et Manon, qui sont juste là-bas, qui sont ici jusqu'à 18h pour répondre à vos questions autour de séries Kika ou même l'univers du manga, tout ce que vous voulez. Bon, ne leur parlez pas de Dragon Ball ou des trucs comme ça, parce que sinon on va pas arrêter. Donc, et nous, les libraires, donc on est là aussi comme là pour vous aiguiller, mais aussi pour vous faire participer à des quiz donc sur les séries Kika, des petites questions, où vous pouvez remporter des lots. Donc il y a des questions qui sont un peu plus hardcore, on a bien vu tout à l'heure, vous pouvez remporter des plus gros lots et après des plus petits que du coup on a mis en place avec Kika. Voilà. Donc petite chose avant, quand je pose une question, vous n'y aurez pas la réponse, levez la main et on vous interrogera comme ça, le premier ou celui qui nous a l'air le plus sympathique. Donc ce sont des sessions de 10 questions, là c'est la deuxième, il y en aura encore une ou deux plus tard dans l'après-midi. Voilà, donc ceux qui voudront encore participer parce qu'ils sont un peu frustrés de ne rien avoir gagné, vous pouvez rester avec nous. N'est-ce pas, Sakura? Voilà. Et ben c'est parti. Alors, il y a une nouvelle série qui est sortie il n'y a pas longtemps, dans l'univers de Star Wars, c'est une question perdue. Et le personnage principal, qui est un pilote rebelle, a un prénom qui est... Je ne disais pas Star Wars, c'est chaud. Bon, c'était bon, c'est pas grave. Alors, dans Noragami, quelle forme... Vous avez tous vu Noragami? Ouais. Non. C'est pas grave. Dans Noragami, quelle forme d'animal peut prendre Shinki de Bishamon? Un chat? Non. Alors vous êtes dans la savane, c'est bien pour l'instant. Ouais. Faut pas le dire, c'est nickel. Ok, deuxième question. Dans Orimiya, quelle est la profession des parents de Miaoumoi? Je sais pas. Peut-être un peu plus de ouais, bien joué. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, il y a la même chose dans... En fait, les lots ne sont pas en rapport avec les questions. Bon, allez, on n'a pas encore fait la tête des titans. Quel est le vrai nom de Krista Lenz? Toi, t'as l'air chaud. Allez, vas-y, dis-moi. Est-ce que tu as la fin de son nom? Ah non, j'ai pas. Quand tu gagnes quand même. Hein. Oh, c'est ça. Tu gagnes, ouais. Yes. Excusez-moi de dépasser. Ben voilà. Là on joue pour un gros lot, attention. Alors dans la série des light novels de la saga Monogatari, sortie chez Pika, quel light novel correspond à un arc particulier et sous-titré la légende de Kiss Shot? Qui sous Monogatari? Allez. Eh, j'avais dit qu'on fait d'accord. C'était bon. C'est sûr que c'est bien. Oui, je me suis remis de bien. Ok. Alors, peut-être que la France un peu ancienne pour certains. De quelle chanteuse est fan Tuesday dans le manga Carol and Tuesday? De quelle chanteuse? C'est Valentin. Non. Bah. Cristal? Ah oui, c'est ça. Non. Flower? C'est qui l'autre? Rosa, je crois que c'est pas. Ah non. Là, en fait, elle Tuesday est fan d'une chanteuse. Oui. C'est une chanteuse qui a vraiment existé. Du coup, c'est une bébé. Oui, en plus. Je suis très en train d'inquiéter. Oui. Essaye. Ça commence par Houston? Non. Oui, Madonna? Non. Ah, pas. Il n'y a pas. Non. Tina Turner? Non. Ah putain. Pourquoi t'as pas levé le bras? Eh ben, tu tentes. Alors, de quel sport parle le manga Ushikomi? Ushikomi.
Alors c'est de la bagarre. Ah. Du catch? Non. C'est un peu... Ouais. Du judo? Ouais, c'est du judo. Bon. On a pas énorme, merci. Ok, dans le nouveau, enfin, nouveau donc, édition de Roku Denashi Blues, quel est le boxeur idole de Tyson Maeda? La réponse est dans la question. Le monsieur a. Ouais, c'est ça, mais il a déjà. Je vais un peu plus regarder par là, désolé. On a combien? 6. Ok. 6. Alors, question très dure. Quel manga des éditions Pika parle du corps humain de nos globules blancs et rouges? Je sais pas, putain, j'ai pas de nom. Merde, attends, j'ai un doute, vas-y. Les brigades militaires. Oui, c'est ça. Bien joué. Brigade militaire. Ouais, c'est une question difficile pour le deuxième gros lot. Attention. Non, Seven Deadly Sins. Quel est le nom de la ville? Quel est le nom de la ville d'ordinaire, simple village de marchands, qui maintenant est connu pour être la plus grande brocante annuelle? Dans le volume 5. Alors, oui. C'est pas des vraies femmes. Bon, c'est Veizé. Tellement évident. Bon, Blue Period, vous connaissez? Oui. Pour quelle raison Kwana a été refusée à la deuxième épreuve du concours d'admission de la prépa d'école Gedai? Alors, je vais être chiant, il faut être précis, attention. Ouais. Elle respectait pas le dessin qu'elle a fait, il est rentré pas dans le fait. Parce qu'elle a pas fait un portrait d'elle, elle a dessiné quoi. En plus, c'est pas elle. Oui, c'est pas le même. Ah, mauvaise. C'est plus simple maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est un peu plus simple. Là, j'ai un doute. Elle est déjà gagnée. Mais... Elle est pas venue en... à l'examen, c'est ça? Non. En gros, elle a fait du plagiat. Ah, elle a fait du plagiat. Ah oui, merde. Bon, encore une fois, alors une question très précise. Dans Love is War, le tome 5, j'espère que vous l'avez lu récemment. Non. Quel cours optionnel les deux héros ont-ils choisi? C'est point gros, c'est point gros. Ok, et dernière question de la salle, c'est ça? Je crois que c'est... Oui. Ouais, ok, dernière question. On va parler de Jiro Taniguchi. Yes. Alors, il a fait un manga, bon, pas qu'un, hein. Mais il y en a un qui parle de boxe, comment il s'appelle? Ah, Jimmy no Hippo? Non. C'est celui que je connais, non? Attends, toi. Baki. C'est même pas. C'est Mayan. Oui. Non, c'est oui, c'est ça. Baki chez Mayan. Ah oui, pardon. Et voilà, alors merci. Alors, ouais, alors, on est là pour le dernier quiz de la journée pour les éditions Pika, toujours accompagné de Marie et Manon. Qui sont juste ici, qui sont des collaboratrices de chez Pika. Alors, notamment qui ont, dernièrement, je glisse un petit mot, sorti le manga No Longer Rangers, qui, si vous aimez Power Rangers et The Boys, c'est super. Donc lisez-le, il n'y a qu'un tome de sortie pour l'instant, c'est vraiment génial, donc lisez-le. Et seconde chose, on a eu un petit teasing de la part de Manon. Alors, il y a Roku Denashi Blues qui est sorti dans une collection qui s'appelle Masterpiece, qui veut dire... Et, apparemment pour le... Fin d'année, début d'année prochaine? Année prochaine tout court, ils vont sortir ce qu'ils appellent un monument du Death Game dans cette collection. Voilà. Le Death Game. Porté
l'affiche, c'est une question de notre composition qui est extrêmement tirée par les cheveux. Attention, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots très très nul. Donc il faudra être vraiment à l'affût. Ah, ma spécialité du rayon. Donc il faudra être à l'affût pour essayer d'y répondre. Eh bien, c'est parti. Alors, une question sur Yona, princesse de l'aube. Vous êtes prêts? Vous êtes marrés. Dans quelle tribu Yona et Sir Hak vont-ils aller pour échapper aux troupes de son bronze? Avec ça devant les yeux, je vois pas qui est vraiment en premier. Oui. Tribu du vent? Exactement. Merci. Prochaine question sur Seven Deadly Sins. Qui se cache sous le nom de Macron? Exactement, c'est Diane. Mais vous avez déjà entendu quelque chose. Ok, prochaine question. On va essayer de trouver un truc un peu facile, comme ça tout le monde pourra essayer de répondre. Est-ce que vous avez tous lu Iruma? Oui, non. C'est un manga, apparemment. Bon, on va dire oui alors. Alors, dans Iruma, l'école des démons, donc, quelle créature domestique invoque Alice lors de sa séance d'invocation de familier? Oui. Un humain? Non. Un autre truc. Est-ce que je fais des propositions? Numéro 1, un hibou. Numéro 2, un aigle. Numéro 3, un serpent. Numéro 4, une chauve-souris. C'est qui le personnage? Alice. C'est pas un hibou? Ce n'est pas un hibou. On attend quelques instants, s'il vous plaît, monsieur. Oui? Un serpent? Bien joué. Ah, c'est vraiment ça des pattes. Ok, vous connaissez tous GTO? Oui. Yes. Une question extrêmement compliquée. De quelle classe est-il le prof principal? Bah oui, mais non, en fait. Indice, c'est une lettre. On va attendre aussi quelques instants. Autre indice. Si vous n'êtes pas sûr, la lettre est dans le titre. Enfin. Oui, c'est ça. Attention, moment imitation. Dans quelle série peut-on retrouver cette phrase culte? Je ne ferai pas la voix. Au nom de la lune, je vais te punir. Parce que je ne sais pas faire ça, Léon. Question Fairy Tail. Et non, bon. Alors, combien de démons sont issus du livre des élèves? Beaucoup trop. Non. Alors si vous... On attend quelques instants. Alors petit indice, il y a un chiffre qui a été donné, ben, en fait c'est son double. La réponse, c'est fou. Premier coup. Encore quatre questions, non tirées par les cheveux. Dans l'attaque des titans, à quelle brigade spéciale appartiennent ceux qui portent l'emblème de la rose? A.
J'ai pas le nom, mais c'est la protection, des murailles, c'est... La réponse n'est pas bonne. Alors, question sur une nouvelle série très sympathique qui s'appelle Violence Action. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est sur la table de cœur, c'est derrière vous, c'est un peu plus jaune avec une jeune fille magnifique qui a l'air bien au fond. Alors, du coup, dans cette nouvelle série, qui étudie la tueuse à gages et étudiante Kei Kikuno. Exactement. Vous voyez ce que c'est, The Fable? Non. Bon, on dirait non. Si. Bon, bah, apparemment, si, pas long connaît, donc on va dire non. De quel humoriste le tueur à gages de The Fable est-il fan? Je veux le nom de l'humoriste. J'aurais mieux fait de ne pas poser la question. Oui, mais là, t'aurais mieux fait de te taire, Quentin. Dès qu'elle n'a jamais existé. Oui. Dans Space Brothers, les frères de l'espace, quel est le rêve des deux frères de Space Brothers? Réponse développée, s'il vous plaît, sinon c'est trop simple. Développée, ouais, il n'y a pas ça pour dire, il va être un football. C'est pour ça qu'il a dit développé. Ouais, mais ils veulent faire quoi? Il faut faire quoi avant d'aller sur la Lune? Ouais, c'est ça, très très important. Dernière question pour le dernier lot avant d'essayer de remporter l'affiche. Attention. Bon, j'étais où? Vous étiez fan ou pas? Oui. Ouais. Oui. En plus de non que de oui, apparemment. T'es sûr que quand négocier, ça Eden Zero, vous êtes chaud? Ça arrive en plus. Ouais, ok. Sur quelle planète a grandi Siki? Il me faut le nom de la planète. On va passer à une autre question. Est-ce que vous... Ouais, Yona, princesse de l'aube, ça allait? Oui. Non. Ah bah voilà. Comment s'appelle la ville natale de Sir Hack? Ouais, non, mais... C'est un nom compliqué, en japonais. On passe? Oui. Ouais. Évidemment. Vous avez lu Witch and the Mist ou pas? Non. Vous faites exprès? Oui. Et ben, ça sera GTO pour la peine. Oui. Ou Noragami? Non, GTO. Noragami ou GTO? GTO. Bon bah c'est mort, allez. High School of the Dead? Oui. Non. Oh la tête. Vous connaissez Shia Yafuru? Shia Yafuru? Oui, oui, je connais un peu. Oui. Sur le jeu de cartes.
En fait, genre, il commence un poème. Bon, non, Fairy Tail, allez, c'est bon. Allez. Quel spin-off ah, ouais. de Fairy Tail s'intéresse à la jeunesse de Grey? Vous avez dit quoi? Non. Quelque chose. Non. Donc c'était Estrella. Alors vous en faites pas pour les gens qui n'ont rien gagné. Ma collègue Margot ici présente qui lève les bras juste devant vous passera parmi vous pour vous passer quelques mots. Dernière question pour remporter l'affiche. N'oubliez pas de lever la main. Alors déjà si vous avez la réponse. Et ensuite. Si vous voulez l'affiche. Je suis pas très fier de la blague. Mais... C'est pas grave. Ça va bien passer. C'est un genou son, il a dit. Attention. Quel métier exerce un citron qui n'est pas un fruit? Professeur. Un citron. Je répète l'énigme. Quel métier exerce un citron qui n'est pas un fruit? Un légume, je sais pas. Presseur? Je comprends. Bon, en gros, c'est le titre d'une série de mangas qui est chez Nobinobi, gros indice. Et en gros, il y a un jeu de mots. Il faut trouver le métier qui exerce ce fameux citron qui n'est pas un fruit. Mais faut trouver le métier ou faut donner le nom du... Non, non, en fait, on s'en fout du nom, c'est le métier qu'il faut trouver. Alors, la blague est excellente, la première personne à trouver. Le citron qui n'est pas un fruit, c'est Yuzu. Ah oui. Quel métier exerce Yuzu? Yuzu, Yuzu en... Yuzu de qui? Oui. Eh oui, c'est Yuzu vétérinaire. Ah, Yuzu, d'accord.